Bonjour, bonjour, c'est Sophie qui fait le tirage pour le mois de novembre 2021. J'espère que ça va bien pour vous tous. Donc, on y va avec Scorpion. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour toi pour le mois de novembre 2021? On va y voir. C'est ta saison présentement. J'espère que tu passes du bon temps, que tu es entouré de gens que tu aimes et qui t'aiment. Et au-delà de ça, ben, tant que toi tu t'aimes et qu'il n'y a personne qui t'entoure, ben, au moins, hein? La personne numéro un dans ta vie, c'est toi-même. Qui donc, je suis un peu dramatique, mais hein, vous comprenez. Donc, on va aller voir l'énergie que Scorpion a dans le moment pendant la lecture de ce reading. Donc, le fait de sentir qu'il n'y a comme pas grand-chose, qu'il n'y a rien ou que le changement attendu. En fait, dépend de ce que tu écris, c'est ce que j'ai envie de te dire, parce que des fois, on attend quelque chose, mais en même temps, ça ne va pas se manifester si on n'a pas une idée concrète de ce qu'on veut mettre dans l'univers. L'humour dans ta vie, où est le rire, où est le sourire? Peut-être que c'est rétablir un focus concernant l'humour. Tu vois le temps qui passe devant toi et ça te met peut-être dans un état un peu froid et un pardon à avoir. Donc, je pense clairement qu'il y a un travail interne à effectuer présentement, que ce soit de te pardonner à toi-même, de rétablir le focus vers les choses qui te rendent heureux, ou même redéterminer qu'est-ce qui me rend heureux moi. Okay? Mais il y a vraiment une possibilité de créer présentement et de laisser aller le temps. On a deux cartes que j'ai mises ensemble ici. On a Stillness en bleu, donc au niveau un peu mental. Sentir qu'il y a comme une espèce de saturation ou qu'il y a un arrêt dans le temps. Okay, alors, si tu sens qu'il y a cette espèce d'arrêt dans le temps-là et que les choses ne changent pas nécessairement, on a quand même ici un 10 avec ces deux cartes-là, donc une fin de cycle qui arrive. Mais pour arriver à cette fin de cycle-là, il faut savoir quoi manifester. Donc, je focus sur quoi présentement? Focus sur mon développement personnel? Focus sur attirer l'amour à moi? Je focus sur quoi? Okay, donc, est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que tu as des buts? Alors, écris-les, ces buts-là. Détermine exactement qu'est-ce que tu as envie de vivre. Je pense que tu as envie de vivre de joie dans ta vie, qui est donc peut-être rétablir ça aussi, de ne pas te laisser tomber dans cette espèce d'énergie-là, un peu de je suis focus, mais je suis pas tant focus, puis après ça, je suis déprimée. Donc ici, on a quoi? On a manifestation, manifestation dans le matériel, mais il faut rétablir, changer la balance créative. Donc, aller alimenter la création en soi, en nous, en allant se pardonner, d'avoir peut-être se laisser de côté, de peut-être se laisser de côté. Puis on a le 7, donc le 7 à l'envers, c'est-à-dire planifier, écrire, okay? Déterminer des buts. On est son premier projet, okay, vers la maîtrise de soi. Donc c'est ça ton projet, la maîtrise de soi, avec le 4 et le 4, mais on a besoin de guérison au niveau du cœur, ok? Donc, avec le 4 et le 4, on a un 8, donc amour inconditionnel, c'est-à-dire que dans n'importe quelle situation, tu te donnes amour conditionnel, donc tu n'attends pas que l'amour vienne à toi, tu le vibres en toi. Pourquoi? Mais parce que tu le mérites. Okay? Donc, Scorpion, on va aller voir maintenant, on va aller clarifier ces cartes-là. On a beaucoup de cartes au niveau de comment tu te sens dans le moment. Okay? Ton but principal, c'est de devenir maître de toi-même. Okay? Mais il faut quand même que tu sois dans le plaisir dans cette situation-là. Maître de soi nécessite le pardon de soi, et le plaisir et le focus. Focus, focus sur des objectifs qui sont réalisables, qui ne sont pas, durs sur soi, mais bien dans la compassion. On a richesse à l'envers ici qui vient déterminer un peu la prolongation de pourquoi peut-être que tu as besoin d'un pardon à te faire. Donc, la richesse, le fait de sentir qu'on n'est pas ancré dans la terre et l'amour à l'endroit qui est là. Donc, waouh, très contente de voir ça ici. Est-ce qu'il y a une autre carte pour. On a la vérité absolue, courage, respect de soi et responsabilité. Donc, c'est clair pour le mois de novembre 2021 pour toi, Scorpion. Le fait de se détacher de la richesse, le fait de se détacher de ce qui est futile, okay, mais aller créer, donc prendre cette énergie-là de richesse pour s'ancrer plutôt que de devenir dépendant de toute chose matérielle. Okay, donc, on a création et 4 manifestations, 7 ensemble, 3 plus 4, 7. Donc, planification, ça fait plusieurs fois que je le dis, ok, le 4 ici, comment je fais pour manifester si je ne sais pas ma cible, je ne sais pas c'est quoi ma cible. Établis la cible sur l'arbre. Est-ce que tu la vois, la cible sur l'arbre ici? Il y a une cible qui est la vague. Ok, donc c'est
dans mon cercle à moi, je follow ma vague. Donc, j'écoute mes besoins réels. J'écoute mes besoins réels. OK? Donc, amour. Ici, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que d'être dans l'action, d'être dans son cœur, puis dans la création, c'est vraiment ça qui vibre en moi. Ici, quand je vois le maître de soi, ici, je vois quelqu'un qui est centré sur ses besoins à soi, puis qui est à l'écoute de soi, puis qui ne se laisse pas tomber, okay? Parce que l'amour est dans son cœur et vibre. Et c'est de réaliser aussi que c'est des marches, l'amour. L'amour, c'est des marches. Je prends une marche à la fois. Okay? Et le sommet, est-ce que le sommet est atteignable? Le sommet n'est pas atteignable dans le sens où il n'y a pas de sommet, il y a seulement des étapes. Une marche à la fois. Je gravis avec courage et respect de moi. Et je prends charge de mes responsabilités. Ici, je n'invente rien. Mes chers amis, j'ai le 8, okay, qui était la carte finale ici. Et je l'ai dit tout à l'heure, la carte finale ici, c'était 4 plus 4, donc manifestation de par manifestation dans l'action. Dans l'action, mais dans l'écoute de soi. Qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment? J'ai besoin de ça. Pourquoi? Parce que ça me fait vivre de l'accomplissement, du bonheur, ok? Donc, quelque chose de concret au niveau vibratoire, ok? Il y a vraiment un détachement matériel qui doit se faire parce que c'est comme, pour manifester le changement dans ma vie, je dois avoir le 9, mais le 9, c'est l'existence sur Terre, en cohabitant avec le matériel, sans être dépendant du matériel, ok? Donc, c'est de rétablir quel est mon sens de la richesse. Ça veut dire quoi, richesse, pour moi? On va aller clarifier tout ça avec le tarot. En tout cas, pour novembre, je sens qu'il y a vraiment de l'intensité et un désir clair commence à prendre forme en soi. OK, de comme, OK, d'attitude, je me laisse pas aller. Je vis des choses que j'ai envie de vivre dans l'espoir de me retrouver. Donc, la richesse à l'envers pour Scorpion, pour novembre 2021, de quoi on parle ici, c'est de rétablir son étoile, d'aller voir c'est quoi mes vœux réels, qu'est-ce que j'ai besoin de faire, je dois écouter mes émotions et les traiter, ok? Donc, c'est d'arrêter d'être impulsif financièrement, ok? Parce que le chevalier de Pentacle, c'est une personne qui va être très, pas agressif, mais passionné, ok? Au niveau de l'emploi peut-être, ou passionné, mais un peu plus dans son ombre, donc qui va être chargé d'action, mais plus impulsivité de par les émotions qui le guident dans son travail. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à aller pas à la guerre, mais aller investir sur des terres étrangères. Mais là, en ce moment, ça, c'est à l'envers, donc c'est pas une option. Fait que tu peux pas t'évader nécessairement présentement de ta situation parce que tu dois absolument restaurer c'est quoi tes souhaits à toi. OK? Mais il y a de l'espoir, puis il y a aussi des messages qui vont rentrer ou des illuminations que tu vas avoir pendant le mois de novembre, que tu vas faire « Ah, OK, oui, c'est ça! » L'amour. Regarde, le 9 de coupe est là. Donc, clairement, il y a un souhait qui va se réaliser pour toi. Pour le mois de novembre, il y a un souhait réalisé, réalisable, ok? Puis regarde la compassion qui est là en toi. Quelqu'un qui est au loin possiblement de toi, mais qui va peut-être venir jouer un rôle très important en ce qui concerne l'amour, ok? Qui va te dire, ah, oh, voici, je sais pas, tu auras une confirmation de quelqu'un, d'une femme ou d'une énergie féminine, ok? Mais il y a vraiment quelque chose au niveau amoureux qui se produit là, ici. Là. Regarde, face à la carte de l'amour, 9 de coupe et reine de coupe. Donc, pour certains, vous allez possiblement rencontrer l'énergie féminine qui vous correspond, ou toi, Scorpion, tu vas développer l'amour et la compassion de soi parce que tu vas comprendre. Okay? Il va comme avoir une espèce d'illumination en ce qui concerne la vérité absolue, indépendance, force, confiance. Ok? Donc, ça ici, pour moi, c'est pratiquement la même carte, sauf que celle-ci, ce serait plutôt peut-être la reine d'épée, puis ici, on a la reine de bâton, puis ici, on a la reine de coupe. Donc, on a vraiment une énergie féminine très forte ici, présentement, qui vient très vite, ok, à soi. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a des réalisations ou un feu qui va habiter, puis qui va vraiment devenir très
clair. Mais tu as aussi peut-être des influences autour de toi qui vont t'amener à grandir. Okay? Donc, d'avoir une espèce de sens, une restauration d'énergie féminine dans sa force du terme. Parce que parfois, on va penser que oh, l'énergie féminine est faible. Elle n'est pas faible ici. Okay? Elle n'est pas faible quand elle est bien utilisée. Il manquerait simplement la reine de pentacle, donc qui soit la satisfaction au niveau de la richesse. Donc pour moi, c'est simple que c'est ce qui manque. Il y a un choix à prendre avec les amoureux ici concernant la richesse et les idées de la richesse. Okay? Il y a une harmonie, l'harmonie qui vient à terme, qui est la fin du cycle en ce qui concerne le temps et là, il n'y a rien à faire. C'est de maintenir l'harmonie, peu importe ce qui se produit. Okay? C'est comme oh, whatever. Comprends, sois plus intelligent que l'intensité qui t'habite, qui parfois t'amène vers une espèce de sens d'impulsivité, ok? Mais sois intense vers tes buts, ok? Amour, en créativité, projeter un peu, arrêter ou peut-être de projeter ce qu'on veut ou ce qu'on mérite ou ce qu'on est, juste rentrer à l'intérieur de soi puis d'être à l'écoute de soi puis arrêter d'être autant dans la morale de qui l'on est. Okay? Il va y avoir peut-être de la tristesse un peu en ce qui concerne la situation, mais il y a un changement qui va t'amener vers le succès. Il faut simplement être patient ici et d'être prêt au partage. Okay? Parce que c'est ça l'amour aussi, c'est le partage. Et non pas juste donner, 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 donner. Non, il y a de la réception là-dedans aussi. Là. Il y a recevoir et donner. Il y a un breakthrough, donc sortir de sa coquille, okay? Éclore au grand jour. Mais de rétablir aussi la patience. Je vois vraiment que la patience est à rétablir et l'ordinaire, c'est-à-dire de se rattacher à ce qui est vraiment nécessaire et non pas écouper le futile. Okay? Ce qui ne nous sert pas vraiment, qui est justement un peu matériel. Donc, même dans nos objectifs personnels, aller plus dans un objectif de développement personnel que de, tu sais, vraiment pour briser la coquille qui nous maintient dans la tristesse ou l'incapacité de voir réellement notre valeur. C'est ce que j'avais pour toi, Scorpion. Là, ok, je vais prendre une question pour toi. T'as une question, pose-toi la question pour Scorpion novembre. Alors, ta question, la réponse à ta question. C'est le non, ok? Donc non pour ta question parce que tu as besoin de restaurer ton énergie de confiance, le feu qui t'habite, ok? Donc l'action, ok? La sortie de ta tête émotionnellement, ok? Genre sortir de ces pensées nocives ou de ces émotions qui ne sortent plus, là, que c'est fini, qu'il faut que tu ressortes ta reine de pentacle, je te niaise pas, hein? Reine de pentacle à l'envers qui vient de répondre à ta question. Donc, si tu vas aller vers l'avant, il faut que tu restes dans cette énergie-là. OK? Donc, voilà ce que j'avais pour toi. C'est très positif. En somme toute, il y a des choses, le doute et la peur que tu dois laisser derrière. OK? Donc, je te dis bon mois de novembre 2021. Bye!